Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharaoh. On se retrouve comme prévu pour un petit assaut de notre petite colonie. Alors j'ai juste de percuter, je m'étais déployé mais j'ai juste de percuter qu'il y a des renforts qui arrivent là. J'avais prévu de mettre deux péons ici pour éventuellement essayer de se faufiler et fixer quelques unités. Parce que c'est quand même assez proche des points de capture. Mais on va peut-être devoir changer d'avis. Avec l'armée principale sur cette attaque ici, sur cette attaque ici, les chars au centre pour pouvoir aller se répandre à droite et à gauche. Du coup, je sais plus du tout ce qu'il y a comme renfort là, parce que c'était dans une ville. Donc, ça fait quelques temps que j'ai pas pu tourner, donc du coup, on va se poser là. Et on aura du coup une force d'éventuel contournement ou de frappe au centre là, pour se rabattre un peu là où on veut. C'est la pluie qui sera suivie par une tempête. Ce qui devrait faire que ces archers vont être quasiment neutralisés. Enfin, peut-être pas neutralisés, mais en tout cas pas... Pas bien. Donc là, il a de l'homme des tribus. Et là, il a mis son général au centre. Ok, quelques archers là. Un autre général ici. Des hommes des tribus. Ok, parfait. On va y aller. Comme ça, vous allez donc taper un peu là-dessus. Vous avancez jusqu'ici. Là, on va avancer un petit peu, histoire de pas être trop loin. Mais oui, bon, si, allez-y, avancez comme ça. Mais on va pas courir, hein, on y va tranquillement. Là, normalement, on a toute cette force. Plus le général, plus lui, c'est ça, voilà. Pareil, on va avancer jusqu'ici et on va par contre on va envoyer les frondeurs. Courir, taper sur les archers, c'est parti. On va voir un peu ce qu'il y a comme renfort, est-ce qu'on les voit? Ah mais oui, je suis con, c'est le renfort du. De son fort, mais il n'y avait rien. Bon, on aurait pu rester là-bas, on l'aurait taillé en pièces, tant pis. C'est pas grave. Il fait une unité de plus qu'il va pouvoir poser là où il a envie. Et on a une force plutôt agressive. Hein. Beaucoup de haches, un petit peu d'épée, les deux frondeurs. Théoriquement, on devrait pouvoir enfoncer ces mecs si on le souhaite. Probablement les renforts qui sont derrière. Précision et vitesse de charge. Ah oui, c'est plus tard qu'on perd en portée. Ouais, c'est quand ce sera la tempête qu'on perdra en portée. Allez. Les volets d'Akatsuki, là, c'est le moment de me... de jouer un petit peu avec ces gens. Ouf, waouh, on sent la précision par contre, là. C'était tellement naze, cette première volée. Ok, il est carrément en train de se... d'évacuer totalement la zone. Alors attendez. Qu'est-ce qu'il fout? Il faut que nos frondeurs puissent tirer, mais il faut aussi qu'ils soient... ils s'enfoncent pas dans les lignes ennemies, quoi. Ok, on va envoyer un envahisseur et un mec à épée. On va se poser par là. Rigolo, ça il a l'air de s'inquiéter de cette avancée là, mais pourtant c'est a priori pas la priorité. Pourquoi vous tirez plus vous? Ok go, putain. Vous deux, chargez-moi ça, vous allez vous ramener derrière en courant un peu quand même. Putain, vous êtes sérieux les mecs quoi? Vous vous prenez la première volée alors que vous avez l'avantage de portée et tout. Très mauvais cette action. Vous tirez ou pas? C'est quoi le délire? Les cailloux d'Akatsuki là, ils sont pas... ils sont pas tout à fait... comment dire... au taquet, on va dire. Vous tirez là-dessus. On va amener Gaelden pour soutenir. Parce que
Mine de rien, les flèches font un peu mal aux fesses. Mettez-vous en ligne. Alors ici, du coup, il nous a mis... ces mecs à lance, tiens. Donc si on pouvait, à la limite, charger... comme un gros sac. Même peut-être avec eux, là, parce qu'ils sont quand même assez expérimentés. Non, on est en rouge. On va quand même charger avec ces deux-là. On va envoyer un petit marin papillonner par là-bas. Les cailloux d'Akatsuki, il faut qu'ils arrêtent leurs conneries et qu'ils se bougent les fesses. Il y a du monde qui arrive là, on va amener peut-être un peu plus de renforts. C'est vrai qu'on n'a pas le bonus de... on n'a pas le bonus de... je te demande de te mettre comme ça toi. Comment ça s'appelle? Je trouve plus le nom. Des épéistes, voilà. Putain, on sent la précision qui est à chier quand même. Hein. C'est très très mauvais. Ok, il envoie plus de monde dans la mêlée. On va envoyer plus de monde dans la mêlée. La milice, il envoie son général. Ici, on va l'enfoncer. On va se rapprocher avec les chars. Là, il a envoyé encore plus de monde. Vas-y, on va faire un gros pack. Non, on va envoyer nos deux marins par là-bas. Pour faire un peu plaise. Okay, ici, il envoie vraiment la grosse masse de troupes. Si on arrive à se glisser dans leur dos en enfonçant le centre, là on va être bien. Alors ici par contre, qu'est-ce que vous foutez? Ils sont en train de reculer, vous me les chopez. Vous par là-bas, il y en a une autre, une unité là, j'arrive pas à la voir. Ok, juste derrière là, les marins, vous allez soutenir le général. Là c'est pareil, on y va. Toi t'es plus proche, va par là, toi tu vas te mettre au centre pour le moment. Ici on a eu un petit impact mais pas non plus monstrueux, faut bien le dire. Là limite ce serait pas mal de courir un peu en fait parce que je sais qu'il pleut. Mais si jamais on arrive à arriver vite dans leur dos, on sera quand même vachement mieux. Parce qu'il y a un sacré pack d'unités. Ok, ici, avancez-vous. On va laisser les unités de corps à corps s'occuper de ça. Gaelden, il a bien dégusté quand même. Hein. Allez, go. Go. Là c'est la déroute. Ici il y a un général bien en forme. On va se mettre en ligne avec nos deux mecs, avec le général juste derrière pour le moral. Ici on a réussi à éliminer un général alors que son unité est toute neuve. Ah bah ça change pour une fois, dis donc. Par contre on peut pas passer avec nos bœufs parce que c'est de la lance. Alors ici visiblement il veut nous intercepter. Il a réussi à nous intercepter le petit saligo. Ok go. Chopez-le. On a une aura. On augmente le moral à proximité d'un général. Se cacher, tirer en mouvement. Ok. Parfait, rabattez-vous par là, vous. Là, excellent, il commence à tirer. Alors, normalement, on avait une unité d'archer ici. On l'a annihilée ou pas? Comment ça se passe? Il y a celle-là qui s'est reformée. Ah non, les deux sont là. Ok, elle est partie par là. Très bien, donc tirez-lui dessus. Ils sont 80 encore, les cons. Là, pareil. Là, il nous a intercepté. On se débat comme on peut. Tac tac tac. Ici, est-ce qu'on peut tenter de se faufiler? Il s'appelle Rechep le mec, mais c'est pas Kepesh, hein, il est à la lance. Hein. Il est à la lance.
Honnêtement, si on pouvait se faufiler là, on va essayer d'avancer avec nos chars à bois. Après tout, ils ont quand même une sacrée masse. Il y a moyen qu'ils puissent se faufiler dans le tas là. On prend un peu cher. On est un petit peu englué, mais pas tant. Ils ont commencé à nous voir là. Que font nos frondeurs là? Les gars, vous êtes sérieux? Alors ici on a plein de monde, ça c'est en déroute. Il y avait un mec avec une hache qui se baladait quelque part. Où est-ce qu'il est rendu? C'est lui là peut-être? Non, il est déjà à moitié mort, ça peut pas être lui. Ok, il doit être caché. On le voit plus. On va essayer de se faufiler par là-bas. Toi, passe par ici. Découpez-moi ces gens. Et là, on charge dans le dos, là. Ah, ils sont en galère à cause du fait qu'il y en a qui sont coincés. Au moins, il y a des tiramis, c'est cool. Chariots, rush! Full speed, damn it! Et vous là, vous avez plus de mission ou pas ou quoi là? Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent mes frondeurs? Ils aiment pas du tout la pluie, on dirait. Pire que les archers quoi. Allez, défoncez-moi ces cons. Ici ça se passe comment? Pas trop mal, même si on souffre. Ça y est, là, ils se sont bougés les fesses. Il est temps. Allons dans la mêlée pour se protéger un peu des tirs. Alors ici. Ici il est temps de se bouger pareil. En avant. On va envoyer deux unités là. Peut-être l'unité de H plutôt. Enfin ils sont fatigués de toute façon. Vous allez charger par là-bas vous. Ok. Il tape sur mes bœufs. Scandale. Allez, descendez de vos montures. Ici, ils résistent, hein, les petits cons. Ah, on a tué un deuxième général, excellent. Là, c'est la charge. Ils vont céder. Là-bas, ça se passe comment? Le moral tient, malheureusement. Ici, il faut vous bouger. Il faudrait que les frondeurs arrêtent de tirer, en fait, parce que je crois qu'ils tirent plus sur nos troupes que l'inverse. Désactiver le feu à volonté. C'est la tempête, c'est ça, ouais, c'est la tempête. C'est pareil, là, arrêtez. Y'a plus rien à faire. Waouh, ils se font défoncer, eux. Allez, faut pousser les gars, là. Le moral chambranle un petit peu, là, sur ce côté-là, là. Faudrait qu'on puisse passer, à un moment. Là, c'est la déroute. Allez, file un coup de main par là-bas. Avant que ça pète. Ah, parce qu'ils sont 27 et ils se font prendre par 86 guerriers, là. Forcément, ça fait pas plaisir. Ok, là, ça va péter. Là, ça tient encore un peu. Là, nos mecs ont réussi à se reformer un peu, à faire une ligne, donc c'est mieux. Eux, ils se font réparer leur armure. Limite, il faudrait qu'on demande aux frondeurs de les titiller. Ah bah, c'est possible maintenant, ça a pété par là. Donc en avant par ici, vous. Vous, allez donc tirer sur ça. Ok, eux ils tiennent, les renforts arrivent, courage les gars. Tenez encore un peu. Ça va être le gros rush des copains là. Ici il nous découpe le mec, mais le moral commence à tomber quand même, ça fait plaisir. On our way!
Ok, là ça y est, c'est en déroute. Excellent. Et c'est une victoire. Parfait. Charabeux qui ont un peu souffert, mais qui ont quand même réussi à bien occuper les arrières là, sur la gauche, ça a bien aidé. Et bon, là, forcer le passage à travers les lances, c'était risqué de toute façon, on le savait. ...74 quand même, hein, c'est pas dégueu. Nickel. Et bien sûr, on rase. Je sais plus ce qu'on faisait là, mais... Ah oui, c'est vrai, c'était cette zone. C'était cette zone. On va aller chercher ça. Après, il y aura ça à aller chercher, tant c'est loin. Après, on passe par ici, tout ça c'est déjà rasé, on peut le prendre à peu près aisément, et puis de toute façon, il y a l'autre horn qui traîne dans le coin, donc c'est pas la peine de faire une course par là. Ici, on avait Aliette 17 contre le monde. Donc ça, du coup, on peut pas du tout les titiller, quoi. On est en guerre contre eux et démerdez-vous. Très bien. Mais il y a du bronze ici. J'aimerais beaucoup ce bronze. Ça me ferait plaisir, ce bronze. Il y a un fort, là. Est-ce qu'ils ont une chance? C'est Inoubi et Jeb. 26. 26 avec des archers aussi costauds et bah, non. On va les laisser se péter les dents dessus. Et nous, on va aller raser un petit peu les trucs autour. Et une fois de plus, j'ai encore oublié de faire ça. Ah, je peux pas construire parce que la colonie est assiégée. Fort bien. On va aller par là. Ouais, on a un bon coup de travailleur de camp, là. On va attendre qu'ils soient pétés les dents dessus et je pense qu'après on ira probablement assiéger là pour se débarrasser de l'avant-poste. Alors notre armée de petits péons, voilà. On peut pas profiter de ça. Je peux pas passer là? C'est que ce bordel. Ah, je suis en marche forcée. Excusez-moi. Alors, Pelle, c'est 9 mecs plus les 7 là. Il y a bien moyen qu'on les défonce quand même. Allez. L'armée autochtone. On est là pour autochtoner la zone. Ah, et du coup, on n'a pas le butin. Ouais. On peut raser et exterminer, c'est pas mal. Hein. 96 d'éminence et on se fait quand même un petit peu de ressources, on va faire. Après, on ira chercher les avant-postes. C'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir se faire les butins. Hein. C'est un peu le souci de l'armée autochtone, je pense qu'on va l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit à genoux, quoi, mais... Elle coûte très cher et elle nous permet pas de récupérer tant de butins que ça, quoi. Ici, un petit peu de bois, ça aurait sans doute été pas mal. Mais bon, ça fait une armée qui permet quand même de maintenir cette zone dans l'état qu'on le souhaite, c'est-à-dire dans la merde. Alors, il a quand même récupéré une armure, très bien. Parfait. On peut rien lui faire, mais visiblement il peut quand même récupérer de l'équipement par lui-même. Tant mieux. Du coup, le bouclier qu'on a trouvé là. On a un bouclier civière qui nous permet de nous soigner, très bien. Et l'aspi. Effet mode défense, défense en mêlée plus 7. Oui. On va te laisser le bouclier civière et toi par contre t'as quoi? Résistance aux dégâts des projectiles.
10% de dégâts en mêlée quand même, donc on perdrait un peu en défense. On perd un peu en protection contre les projectiles, mais on gagne. Le mode défense est 10 de dégâts en mêlée quand même. Plus 3 de dégâts. C'est pas mal. Allez go. On prend ça. On prend ça, on prend ça. Là on a toujours pas d'autres armures moyennes améliorées. Est-ce qu'on a des petits niveaux à prendre? Non. Terminer des avant-postes. Gaëlden il a eu un niveau mais du coup je l'avais déjà fait. On a quand même rasé deux colonies dans ce tour, c'est pas dégueu. C'est parti. Voyons voir. Que font nos voisins des Lucas? Bon, déjà, que fait Menefer? Est-ce qu'il décide de sortir de la ville? Ah, il a décidé de sortir et visiblement, ça les a fait fuir. Ils se sont pas battus. Tous ses ennemis, miam miam miam. Alors, j'ai pas vu l'armée là. Ah, j'ai pas vu. Bon, là, il s'est refait une petite armée. Il va peut-être essayer de repartir en conquête à un moment. Ils m'ont pas attaqué. Est-ce qu'ils ont refait le siège? Je ne sais pas. On va chercher ça. La prochaine fois, on n'ira pas contre notre nature. S'il y a un truc qui nous coince, on marche dessus. On se pose pas de questions. Ah, on a l'accent sur le butin. 30% de ressources de rasée. Ça, c'est bon, ça. On a découvert une embuscade de eux. Ouais, bon, ok. On va aller voir les échanges. Tac tac tac. Celui-là est plus intéressant. Est-ce qu'il accepterait? Qu'est-ce que tu veux? Du bois toujours? Est-ce que contre 56 de bois t'es ok? Contre 57 de bois? Ah, allez, 57 de bois. Contre 65 de sous. On continue de faire des réserves de thunes. Tac tac tac. Et on a un échange expiré avec. On a dit. Les takers contre du bronze. Du bois contre du bronze, ils veulent toujours, c'est parti. Et la dernière, c'était avec les Sardanes, mais je crois qu'on avait dit qu'ils voulaient plus. Hein. Ah si, carrément. Un peu plus, même. Oh bah dis donc, tu... Ah oui, tu pétais de bronze, toi. Excellent, bah c'est parti. Contre 20 de pierre et 8 de bois, c'est ultra rentable. Y'a rien à dire. Y'a rien à dire. Alors, niveau technologie, on avait été chercher ça du coup. Emplacement de recrutement dans toute la faction pour les armées qui comptent 10 points de travailleurs ou plus. Et reconstitution pour les armées comptant 10 travailleurs au camp ou plus. Pas mal. Sinon on part par là, mais ouais, il faut qu'on fasse tout ça. Alors là du coup, ça on a déjà. On peut partir sur 4 en mêlée et 2 de morale dans les en défense, ouais. Temps de construction moins 1 pour les avant-postes tribaux. Coût de recrutement moins 15 pour les unités de la horde. Travailleurs du camp. Butin de bataille plus 25%, pas mal. Entretien moins 10% pour les unités de la horde, c'est fort ça. Et du déplacement ici. Là, faudrait qu'on passe par là aussi, et on débloque coût des bâtiments de l'ordre, moins 10%. Entretien, moins 10%. Et si on passe par le haut, défense d'embuscade, ouais. 15% de déplacement quand on a volé de l'équipement de guerre, excellent. Revenu des raids, bonheur moins 8 quand on est en raid, ouais. Bonus de charge et morale quand on est en embuscade, chance d'embuscade. Pas oufissime. Celui-là est rigolo, mais c'est quasiment le seul dans la liste. On peut aller chercher ça. Bon, ça nous prend 21 tours. Est-ce qu'on veut 25% de butin de bataille ou 10% d'entretien au moins? 25% de butin de bataille, c'est pas mal. Hein. Et du coup, on va peut-être passer par là.
Oh, je peux pas faire de chemin. Ah, c'est vrai, je peux pas faire de chemin. Ok, on va passer par là du coup. Bon, de toute façon, ça, on le fera probablement parce qu'un petit boost de en défense, c'est pas si mal. Hein. On crache pas dessus dans les trucs hybrides. La reconstitution du bronze depuis les bâtiments. Vitesse et bonus de charge pour les chars. Durée de prière plus 2. Bonheur plus 1 depuis les temples. L'emplacement des divinités, il est là. On ira peut-être le chercher. Ouais, il nous faut 24 tours pour aller le chercher. On va faire ce petit truc-là. Temps de construction, moins 1 pour les avant-postes tribaux, vu qu'on en pose partout, partout, partout. Ça les rentabilise d'autant plus. Ça, c'est un petit bug d'affichage. Alors, Aliat. Ah, il est retourné faire le siège, lui. Alors que c'est encore plus fort. Du coup, ce qu'on va faire... Non, ce qu'on va faire, déjà, c'est poser un avant-poste, là. Ah non, c'est assiégé, merde. Au moins ça nous appartient, il pourra plus y aller. Ce qu'on peut aller faire, c'est récupérer ça. 10 travailleurs de camp, mais on est déjà plein. On est déjà tout plein. Où ça? Mais Menefer, c'est une grande ville, ouais. On commence à aller par là-bas, genre pour aller chercher le truc assiégé, là. L'avant-poste. On se garde 25% pour un petit emplacement pour pouvoir construire. Donc ici, du coup, le truc à construire, c'était ça. 6 travailleurs, 300 balles. Bonus de charge pour les chars à bœufs, entretien moins 10 pour les unités d'infanterie à bouclier, pas mal. 40 de revenus de bronze, 30 de revenus d'or. Bah ouais, on va faire la grande assemblée, tant qu'à faire. J'ai envie de dire. Et pendant ce temps-là, on peut aussi aller chercher ça. Ou alors, c'était quoi? Ou les gardes avancés. Non, les mecs comme ça, ils les aiment beaucoup. Ils sont vraiment très très forts, les chargeurs, là. On a terminé des avant-postes, parfait. Les échanges c'est vu et on a Daminou qui n'a pas bougé. Daminou, bah Daminou il va aller chercher ces trucs là. Hein. En marchant sur la route tranquillou bilou. On va aller raser ça, tant pis pour les ressources. De toute façon, c'est pas demain qu'on apportera des armées ici. Puis après on descendra. En finir avec lui, donc ça c'était une armée, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, c'était une belle armée là, 20 personnes, mais il est loin. Donc on va continuer de le titiller, va probablement aller reprendre des trucs je pense. Il a déjà quasiment refait l'armée quoi. Excellent. La violence quoi, de cette reconstitution, c'est ouf. Alors Menefer, je pense qu'il a dû relancer l'assaut et les mecs ont reculé. Par contre, il a pas poussé son avantage. Ah, mais il a bougé l'armée qui était là, donc... Ah non, c'était celle-là, oui, elle était là. Il a toute cette ligne, le petit enfoiré. Les Libous... Ils veulent un pack de non-agression et on leur donne tout ça? Non. Non, non les mecs, non, vous rêvez ou quoi? Comme si on avait peur de vous, quoi. Tu déconnes. Ah, il est en train de se préparer à m'intercepter. Bon, c'est pas. Franchement, si je perds cette armée, c'est pas grave. Hein. L'objectif aura été rempli. Alors, est-ce que le peuple voisin des Lucas, il s'est remis? Ouais, donc là déjà, là ça a été rasé. Ok. Donc ça veut dire que du côté de Gaelden, là, comme prévu, lui il est allé mettre une petite fessée. Nous, on récupère les avant-postes derrière. Tant pis, pas de bataille pour Gaelden avant un petit moment. Désolé Gaelden. On flirte avec la crise là. Il résiste bien. Là, on a belle perspective. Plus de reconstitution, coût de main d'œuvre, coût de construction pour les avant-postes tribaux dans les régions qui nous appartiennent. Ok, donc on s'en fout. En crise, on aurait quoi? Coût de construction dans les avant-postes tribaux dans les régions étrangères. Ok.
Ressources de piller occupé, on s'en fout un peu. Et là, ressources de raser, avant-poste trio dans les régions rasées, et des bonus de charge de 30%. C'est pas tout de suite quand même. On va peut-être pouvoir faire les deux là dans la foulée là. Ici, du coup. Ah, il est pas retourné faire le siège, il reste là, il fait mumuse. Du coup, ça veut dire que si c'est pas en siège, on peut construire nos avant-postes. Hop là, c'est parti. Et on va aller raser le reste, un comptoir économique. On va faire ces deux, ils sont proches là. Our time comes. Strong still. Hop là. Our search continues. Alors je me souviens comment c'était tellement frustrant quand Liam faisait ça, mais faut avouer, on n'a pas trop de raison de s'en priver. Hein. Slow but sure. Prends un petit peu d'attrition, mais normalement voilà, on est juste à la limite du désert. Donc on prend plus d'attrition, on va pouvoir aller s'occuper de ça tranquillement. Et avant d'arriver à notre partenaire commercial préféré, je crois que c'est pas loin. Hein. Tac tac tac, c'est qui? C'est Hubert Duhat, machin. Là, il n'en peut plus là. Il est là, ok. Il est devenu très hostile. Aversion moins 16, grande puissance moins 7, et on a que un petit 2 de. On a que un petit 2. Avec nos bonus, tant pis. De toute façon, un moment on va arriver sur lui, même si pour l'instant il y a encore du tampon et on a du travail de l'autre côté du Nil. Et donc, ça. La mer Noire, bien sûr. La mer Rouge. Ah, j'ai de nouveau un doute. J'ai de nouveau un doute. Ici ça construit, ici c'est bon, là on va s'en occuper. Il nous reste Damidou. Bon là pour l'instant pas trop d'action. Toi, farewell, Canaanite. Tu rases des trucs. I come for you. Hop. Any wine around? Ouh, il y a 4 machins dans cette province. Ah non, celui-là il est dans l'autre, ok. On va aller par là-bas, dans la forêt. Ce sera bien. Mais oui, il y a une ville au milieu des coins, quoi. On la connaît quand même, on l'avait à peu près prévu qu'il y avait une ville dans le coin. Je peux pas avancer plus. Limite, avec lui, on va peut-être même pas raser des villes, on va se contenter de foutre la grosse merde en rasant des avant-postes et en les convertissant pour que les cités partent en sucette. Comme ça ils seront bien occupés et peut-être qu'ils iront pas trop reconquérir de trucs derrière. Niveau ressources, au nord on est nickel, le bronze c'est pas si pire, le bois ça peut devenir problématique dans quelques tours, le bois ça va, le pire ça va, la bouffe. Il y a zéro problème littéralement. Ah il y a eu un petit niveau à Gaelden, j'ai pas vu. Life is not fair. Du coup, tu vas par là. C'est parti. Et rappel, c'était le niveau, j'imagine. Donc on est bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.